Germaine Krull, née en 1897 en Pologne de parents allemands, connaît une enfance mouvementée qui lui donne très tôt une grande liberté. Après des études de photo à Munich, elle s'engage à 20 ans auprès de mouvements bolcheviques. Après avoir été emprisonnée à la Loubianka à Moscou, elle ouvre, à son retour à Berlin en 1922, un studio photographique. Suite à sa rencontre avec Joris Ivens, elle part à Amsterdam puis s'installe à Paris en 1926. Elle participe à la lutte de la France libre, puis part en Asie où elle ouvre un hôtel de luxe à Bangkok et se convertit au bouddhisme. Esprit rebelle, aventureuse, indépendante, sa vie, à l'image du surnom qu'on lui donnait adolescente, « chien fou », est éminemment romanesque. L'idée de cette nouvelle exposition, c'est surtout de porter un nouveau regard sur Germaine Krull, qui était positionnée, je dirais, comme une figure de l'avant-garde, essentiellement, alors que je veux montrer que c'est une grande figure du reportage moderne, à travers essentiellement ce qu'elle a fait pour le magazine Vue. En Hollande, pendant une année ou une année et demie, elle fait des photographies de ponts, de grues, de ports qu'elle appelle mes fers. Ces photographies qui vont aboutir à la publication de Métal à la fin de 1928 et qui sont très étonnantes, très inhabituelles et qui se situent dans ce qu'on appelle la nouvelle vision, la photographie d'avant-garde. En 1926, à Paris, elle fait de la photo de mode, essentiellement dans l'atelier de Sonia Delaunay, mais elle montre ce qu'elle appelle ses fers à Robert Delaunay, qui va beaucoup apprécier. Donc c'est un peu lui qui va la sortir de la photo de mode et la lancer un peu dans le circuit des artistes. C'est par son intermédiaire qu'elle va rencontrer Élie Lothar, qui commence lui aussi à faire de la photographie et qui va devenir le compagnon de Germaine Krull. Alors, la rencontre importante qui va se produire peut-être à la fin de 1927, c'est celle de Lucien Vogel, qui est un homme de presse qui s'apprête à lancer un nouveau magazine photographique, magazine d'actualité, dans lequel il veut publier à toutes les pages beaucoup de photos. Il va lui demander de faire des reportages qui consistent à demander à un journaliste et à un ou une photographe de constituer un ensemble nouveau de textes et d'images qui va être publié sur deux ou trois pages dans le magazine. Donc pendant quelques années, elle publie, je crois, une trentaine de reportages dans le magazine. Comme tous les photographes de la fin des années 20, elle travaille avec un appareil moderne, là aussi, qu'on appelle un appareil à main. C'est un appareil qu'on met à hauteur d'œil, comme l'autre appareil nouveau de l'époque, le Leica. Donc, un système de visée très proche de l'œil et qui permet d'aller très vite, de prendre des photographies sans pied. Et c'est ce qui amène ce nouveau genre de photographie de proximité, on pourrait dire, où le photographe peut s'approcher de son sujet et le saisir avec une grande rapidité, ce que ne lui permettrait pas l'appareil plus lourd, par exemple, des photographes de presse qui travaillent avec des plaques de verre de 13-18 cm. Qui vont lui demander en 1929 des photographies publicitaires pour le lancement de la nouvelle Peugeot qui est la 201. Elle va demander en paiement de son travail qu'on lui donne une 201 et elle va se lancer sur les routes et l'automobile et la route vont devenir un de ses grands sujets photographiques.
foule est très novatrice aussi pour son rôle dans la publication de livres de photographie. Ce concept qui nous paraît tout à fait normal aujourd'hui, il naît au milieu des années 20. Kroul va être très intéressée par cette idée. Elle fait elle-même où elle participe à une bonne dizaine de livres de photographie, ce qui est absolument unique et exceptionnel. C'est la photographe qui, dans l'entre-deux-guerres, publie le plus de livres de photographie. Elle fait des photographies de nu féminin qui sont tout à fait étonnantes aussi pour l'époque, si on les compare à d'autres photographies de nu de l'époque. Elle revient sur ce thème en 1930 par la publication d'un portfolio qui, là aussi, est très moderne et très étonnant et très différent de ce qu'on fait à ce moment-là, qui s'appelle « Études de nu ». Il y a un élément très, très important et là aussi tout à fait unique, c'est la publication du petit livre intitulé « La folle d'Itteville » qui est bâti sur un texte de Simenon qui consiste à illustrer le roman policier. Les photos qu'elle fait pour cette publication sont très, très étonnantes et là aussi c'est tout à fait volontaire de sa part d'utiliser la photographie pour raconter une histoire principalement avec des images. En somme, elle obéit à ses intuitions d'image.